tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodémo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter une des dernières nouveautés de chez Calex qui est juste derrière moi. Donc vous pouvez voir que c'est un produit super sympa. Donc c'est le Foldable Floor Lamp. Vous allez voir que c'est un produit que pour l'instant je n'ai pas encore vu sur le marché sur d'autres marques. Là, Calex a vraiment frappé très fort et vous allez voir que c'est pour moi un des coups de cœur au niveau des produits compatibles Thuya. Donc si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. On va faire un petit tour de boîte, un déballage, et vous allez voir que c'est un produit qui va vraiment pouvoir personnaliser votre pièce. Donc petit tour de boîte, déballage, et on fera un petit test produit pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Alors, on peut voir déjà sur la boîte que c'est un produit de la marque Calex Smart, donc la gamme Smart de chez Calex, donc la marque connectée. C'est un produit qui va faire plusieurs couleurs, on va le voir ensemble. Donc c'est le Foldable Floor Lamp. Elle est en Wi-Fi 2.4, comme les produits Thuya de toute façon. On va ici utiliser l'application Calex dans cette vidéo. Vous allez voir pourquoi, parce que l'application Calex a des avantages maintenant que Thuya n'a pas. Elle est RGB IC, donc au niveau des couleurs, vous allez voir, le rendu est super sympa. On est entre 2700 et 6500 Kelvin au niveau du réglage du blanc, donc c'est vraiment, pour moi, une très large gamme. On a un produit qui est compatible avec Google, Alexa et les Siri Shortcut, pas Apple HomeKit, les Siri Shortcut. Vous pouvez voir qu'il y a 24 watts, 1000 lumens, un éclairage à 360 degrés. On est sur un produit en catégorie type F maintenant. Maintenant, toutes les LED sont catégorie type F. Hein. Les produits que vous achetez le sont, hein, depuis que ça a été revu. On peut le voir ici. Voilà. On a quelques infos. Donc, on a RGB IC, donc avec le blanc, on l'a dit. Voilà. Une durée de vie d'environ 30 000 heures. Bon, rien de bien fou. Je voulais vous montrer au moins l'arrière, puisque sur l'arrière, vous avez quelque chose assez sympa. Donc vous pouvez voir comment il peut être posé, donc posé au sol, que ce soit à gauche ou à droite de l'image, là ici, et aussi posé au mur, et vous pouvez voir d'autres formes qui ont été faites sur le coin là-bas de l'image. Et donc ça vous permet aussi de voir que ce produit, pour moi, est juste génial, et on le revoit un peu ici, au niveau des couleurs comme au niveau des possibilités de forme, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu, et que franchement, j'adhère vraiment. Au niveau du concept, sur l'autre côté, on a fait un peu le tour, hein, voilà, tout est noté. Alors si, on peut parler ici, vous pouvez télécharger l'application Calex, c'est compatible Thuya Smart Life, mais vous allez voir que sur l'application Calex, Calex a fait un effort sur l'application, et pour moi maintenant, est au-dessus de l'application Thuya ou Smart Life, ils ont un petit coup d'avance, donc après vous pouvez télécharger l'application sur Apple ou Android. On peut aussi utiliser un timer pour ça, pour le foldable, le voice control, les scènes et les automatisations. Voilà, donc maintenant on va le déballer, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, pour le déballage, déjà la boîte est très belle, hein, franchement très bien finie. On a, je vais bloquer le carton, une petite protection ici. Ici, vous avez tout ce qui va être un petit guide, etc. Ouais, c'est la boîte ouverte, bien sûr. On a alors une notice de montage, je vous invite à la lire, hein, parce que elle va vous aider à bien pouvoir plier, etc. et bien voir comment on fait pour l'installer. Donc on a aussi la liste des produits qu'on a dedans. On a un petit contrôleur qui est juste là, très bien fini aussi, parce que des fois les produits Thuya peuvent être mal finis. Donc Calex, là vraiment sur la finition, bon, il a juste un simple bouton, mais il fait pas toc toc, voilà, il est propre. On va avoir ici tout ce qui va être visserie, Eclipse. Là, ils ont aussi prévu les outils, donc vous avez des clés Allen et une rondelle aussi, et des vis. Là, ici, on va avoir tout ce qui va être light bar, hein, donc ça, après, je vais vous montrer le poser, et on va voir un petit peu la taille que ça fait au final, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est voir l'effet que ça fait dans un salon ou dans une pièce. Mais là, vous pouvez déjà voir que c'est quand même déjà d'une bien protégé, parce qu'on a des petits coins sur les côtés pour pas que ça prenne deux coups, et on peut voir que détendu, et ça va pas être mal du tout. Vous allez un peu voir dans cette vidéo comment ça s'installe, et aussi la taille que ça fait, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse. Et ici, on a notre petit transfo qui lui est très bien. Bon, c'est un transfo classique, mais de bonne qualité. Au niveau des câbles aussi, il n'y a pas trop de soucis. Donc on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait dans cette boîte. Maintenant on va voir un petit peu comment ça s'installe sur l'application, et après je vais vous montrer l'usage. On va parler aussi de la taille de ce produit. Alors tout d'abord, pour utiliser cette lampe, que vous pouvez voir est modulable dans tous les sens encore sur cette photo, vous pouvez télécharger plusieurs applications. Smart Life,
Tuya ou l'application Calex. Alors ici, on va partir sur l'application Calex. Pourquoi? D'une, parce que c'est l'application de la marque. De deux, parce que cette application est en avance sur l'application Tuya. Elle a beaucoup d'options que Tuya n'a pas encore. Et vous avez un vrai suivi produit avec moi. Personnellement, je préfère l'application Calex. Alors c'est vrai que c'est une autre application en plus. Les produits restent compatibles Tuya Smart Life pour vous, il n'y a aucun problème. Bien Wi-Fi 2.4, mais l'application Calex a de vrais avantages que l'application Tuya n'a pas encore. Ça, après, vous le découvrirez. Donc, déjà, on a un ajout direct du produit. Une fois que le produit est branché, il est directement reconnu avec son module Bluetooth. Donc, là-dessus, aucun problème. Vous n'aurez pas de complications. Il est reconnu en Bluetooth. Vous appuyez dessus. Et voilà. Si par quelque chose qui ne fonctionne pas, il n'est pas reconnu, vous avez un ajout manuel en bas, directement sur la page où vous voyez le Calex Foldable Floor Lamp. Alors, une fois installé, on voit donc cette lampe sur l'application. Donc, on va pouvoir gérer les couleurs, le blanc, faire une grille avec les couleurs, etc., faire des combinaisons. On voit aussi notre lampe qui est tout en haut. Donc, on la voit, elle est longiligne sur le coup, mais on voit bien la lampe qui a chaque section de la lampe. Chaque section qui bouge indépendamment, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, là, on a une vraie partie logicielle qui est intéressante. C'est maintenant sur Tuya, on peut avoir des produits comme ça. Là, on voit bien le produit, donc on peut choisir en bas. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la seconde partie où là, vous allez avoir tout un tas de scénarios. En bas, vous avez une petite palette sur laquelle il faut appuyer. Et en fait, tous ces scénarios déjà sont bien traduits en français. L'application est bien traduite en français, donc on n'a pas de souci là-dessus. Certains produits, vous pouvez voir chez d'autres marques, ne seront pas traduits. Et là, vous avez beaucoup d'effets que vous pouvez retrouver juste ici. Donc ça, les effets, on va les voir après dans la vidéo. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses, que ce soit paysage, vie, festival, on a plein de menus et plein d'effets qui vont avec, qu'on va découvrir tout de suite. Avant la démonstration, je voulais vous montrer aussi que ce ruban, cette lampe, voilà, est capable de gérer aussi la musique, donc ou en local avec votre téléphone ou avec le micro qui est intégré directement à votre contrôleur. Et là, vous allez pouvoir, par rapport au style de musique, gérer la sensibilité et faire des effets, ce qui est plutôt sympa, bien fait. Vous pouvez voir qu'ici, on a même un petit equalizer où on voit un petit peu la musique bouger. Donc c'était au moins pour vous montrer ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors c'est un produit aussi qui est compatible avec Google et Alexa. On n'a pas encore trop parlé. Mais voilà, vous allez pouvoir faire des choix classiques. Demander qu'il soit allumé, éteint et lancer par exemple une couleur. Donc on reste bien fonctionnel avec les assistants vocaux. Alors, on se retrouve pour un test produit donc de cette lampe Calex que vous pouvez voir juste ici. On voit dans la vidéo pas forcément tous les meilleurs effets, mais j'ai pris mon téléphone pour vous en montrer, puisqu'en fait en vidéo le rendu sera beaucoup moins sympa qu'en vrai. En vrai, c'est juste un super produit. En vidéo, on voit un peu moins bien les couleurs, mais vous allez déjà voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors là, je vous ai mis quelques petits effets qui sont très complets. Alors, on peut aussi avoir des couleurs. Là, en effet, voilà, je vous en mets quelques-uns, vous puissiez un petit peu voir, découvrir le produit. Et c'est surtout un produit qui est flexible. Ce n'est pas un produit qu'on peut retrouver actuellement, ce n'est pas une barre en dur. Là, vous avez plusieurs endroits où vous avez une petite clé à tourner pour pouvoir serrer, desserrer et faire la forme que vous souhaitez, monter à la hauteur que vous souhaitez. Enfin, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et on a surtout un produit où vous allez voir que vous avez un changement de couleur. Il n'est pas tout le temps de la même couleur. Bien sûr, vous allez pouvoir choisir une seule couleur, et vous allez pouvoir faire des effets, comme vous pouvez voir ici, qui vont faire plusieurs couleurs. Alors, des effets, on peut en mettre des tas. Voilà, hein, vous en avez plus d'une cinquantaine même. Là-dessus, Calex a fait vraiment un super produit. Alors là, c'était au moins pour vous montrer. Il y a un pied qui est fourni avec, un pied support qui est fourni avec en dur, qui tient le produit, mais vous n'êtes pas forcément obligé de l'utiliser. Vous pouvez directement le mettre au mur. Alors, je vais faire une conclusion de ce produit. On va tout d'abord parler du prix. Il est en dessous des 150 euros. Il tourne autour de 130-140 euros, ce qui reste assez correct pour ce type de produit. Et pour un produit aussi bien fini avec un support et on n'est pas sur un ensemble fixe. Donc, on va faire les plus, les moins. En plus, bah déjà, vous avez toute cette partie qui est pliable à plusieurs segments possibles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez le fait que vous allez pouvoir mettre plusieurs couleurs. L'application Calex aussi est un plus. Alors, c'est un produit compatible Tuya Smart Life, vous inquiétez pas. Mais moi, je vous conseille l'application Calex pour une raison, c'est qu'elle est en avance sur l'application Tuya. Alors, pour l'instant, hein, mais ils ont une avancée assez forte par rapport à l'application Tuya. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses et l'application est beaucoup mieux finie. Mais ça reste un produit, justement, Tuya Smart Life.
On est sur une qualité de fabrication qui est au-dessus des standards de ce qu'on voit généralement sur Tuya aussi. Donc dans les plus, on a cette partie-là. Donc voilà, sur l'ensemble, on a un très bon produit et aussi bien tenir compte que chez Calex, vous avez un suivi produit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez aussi un suivi si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. Ils sont là pour vous aider. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. En moins, alors c'est vrai que certains pourraient dire que le prix est un peu haut. Moi, je trouve à peu près correct. C'est vrai que c'est un produit qui, pour moi, pourrait être un tout petit chouï plus bas. Mais pour le prix, ça me paraît cohérent. Sinon, on aurait aimé peut-être, j'ai envie de dire, des segmentations un peu différentes, avec un peu plus de segments, ou qu'on puisse choisir les segments. Là, ici, c'est fixe. Donc, en gros, ce sera toujours des barres de la même hauteur sur le segment. Après, dans l'ensemble, c'est un très bon produit, donc j'ai très peu de points négatifs aussi à dire. On est sur Tuya Smart Life. On pourrait aimer, par exemple, avoir un retour d'état quand on va avoir le produit, s'il y a une coupure de courant qui ne se rallume pas. Ça, toutes les marques ne le font pas. On aurait pu apprécier ça sur ce produit. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur cette lampe, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Tonomo.